Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, petit changement au niveau de la qualité. Normalement, là, tu devrais voir qu'on est sur un truc plutôt pas mal. Voilà. Ah ouais, j'y suis allé au Bois de Boulogne 2-3 soirs, voilà, pour pouvoir me payer tout ça. Donc, j'espère que l'investissement vaudra la peine et que je prendrai quelques abonnés grâce à ça. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Qui sait? Ah, on est dans une époque de merde quand même. Le pire, c'est que c'est vrai quoi. Enfin, je dois t'avouer que j'ai un petit peu mal au cul quand je m'assois. Mais bon, regarde. J'ai fait ça pour toi, mon pote, donc j'espère que ça te plaira. Bah écoute, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la fin du projet. Si on peut dire que c'est une fin, parce qu'un projet n'est jamais fini, parce qu'il y a encore déjà d'autres idées. Mais en tous les cas, la fin du projet qu'on avait mené avec mon pote Cyril, voilà. Où tu pourras retrouver ici la première vidéo, voilà, où on avait forgé son bloc avec des pistons haute compression. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Bah, tu vas voir, première partie, la fin de la préparation avec la cartographie. J'ai pris le parti de faire cette vidéo, qui était assez longue, en deux parties. Donc là, je vais te présenter la première et tu verras, dans 2-3 jours, tu auras la deuxième. La deuxième sur laquelle on va pouvoir vous montrer un peu le potentiel de la voiture. Et puis, une vidéo sur laquelle on a pris du temps pour faire quelque chose de quali, tu vois. Un peu comme là, tu vois, c'est pas droit, bordel de merde. Ah, c'est mieux là quand même. Donc, cette deuxième vidéo que tu verras dans 2-3 jours va pouvoir te montrer quelque chose de très quali. Voilà. Donc, bah écoute, bonne vidéo à toi et je te dis à la prochaine. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On part chez Elle Performance avec mon acolyte Cyril. Voilà, on fait un petit convoi en Fiesta ST. Et puis, du coup, je te montre tout ça en vidéo. À tout à l'heure. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. But I just slide right back. T'as 8 litres 4 sur tout le trajet pour avec une boîte courte, c'est beau. Bon, allez, on est arrivé chez notre ami Alexis à Elle Performance. Donc du coup, maintenant, on va changer les injecteurs ici. Bon, c'est plus simple que sur une Focus, hein, mais voilà, on va les changer, on va monter des plus gros. Et puis après, écoute, c'est parti. Hein. Bon, du coup, faut la remettre d'origine. Et ouais. On allait sur place chez Elle Performance sur une journée, mais comme on a changé de braquet au dernier moment pour essayer de gratter le maximum de chevaux, on est passé sur une carto full éthanol, ce qui est plutôt, au vu de la période, pas déconnant, surtout en termes d'économie sur une petite sportive. Une bombinette comme ça, c'est toujours intéressant. Surtout qu'au-delà du côté économique, c'est que ça marche mieux. Donc voilà. Donc du coup,
On est parti sur le postulat sur place de la passe à l'éthanol. Du coup, Alexis a gardé la voiture parce qu'il fallait vider le réservoir, faire d'autres choses. Donc, on a profité de l'occasion pour passer ma voiture au banc. Alors, ma Fiesta blanche que tu as déjà vue aussi. Hey, regarde, dans cette vidéo-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a passé au banc pour voir ce que ça donnait. Parce que moi, j'ai une carto générique Puma Speed, voilà, qui est la carto 190, qui marche très bien, hein, qu'on se le dise. Mais c'est intéressant de voir sur un banc... un vrai banc, ce que ça donnait. Ça permet aussi d'avoir une base de comparaison avec celle de Cyril, et tu verras que je vais te montrer après, mais j'ai les deux courbes superposées, c'est super intéressant. Donc qu'est-ce qui ressort de mon passage au banc? Bah, qu'elle marche quand même très bien, honnêtement, par rapport à une voiture d'origine, c'est le jour et la nuit. Maintenant, bah, c'est vrai que ça peut être peaufiné, et là tu vois, Alexis a été super sympa, m'a laissé monter dans la voiture sur un tir avec le boîtier d'AFR pour me dire regarde, et là c'est vrai qu'elle était trop riche sur tous les régimes, donc il m'expliquait que il y avait, en corrigeant tout ça, il y avait globalement 10 chevaux à gagner. Donc elle sort combien? Elle sort 182 chevaux, ce qui est déjà, alors j'étais un peu déçu, on va pas se mentir, pour moi elle devait faire au moins 185. Ça peut peut-être s'expliquer sur le fait que j'ai remis la clim entre temps, j'avais vu que je l'ai recivilisée celle-là, mais à l'époque elle avait sorti plus de 185 chevaux. Bon, on n'est pas à 3 chevaux près puis on s'en balèque, mais en tous les cas, voilà, c'est vrai que par rapport à celle de Cyril, tu vas voir, le delta est quand même assez impressionnant, surtout au régime où tu vois que les hautes compressions font le job, hein. Là, sur celle de Cyril, tu verras, tu vas à 7005 et puis ça bronche pas et ça prend des watts jusqu'au bout, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc ma petite blanche est passée sur le banc, on a une base de comparaison, ça permet aussi de voir que les cartos génériques sont souvent trop riches, et pourquoi? Tout simplement parce que bah, ils veulent pas le prendre de risque, vaut mieux qu'elle soit trop riche que trop pauvre, et oui, quand c'est trop pauvre, en général tu casses. Donc c'est vrai que c'est pas la première fois que je le vois, mais en tous les cas c'était bien, au moins on a quelque chose de concret sur le papier. Ma voiture passe au banc aussitôt. Tu t'es dit peut-être, il y a ouais, un peu de temps, fin de c'est journée. C'est vrai qu'elle est rauque, hein, au niveau du bruit. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Voilà, 2 semaines après notre petit passage chez Alperformance, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on y retourne. Nous voilà de retour chez Al. Bande blanche. Oh, ben elle est là. Nickel. T'as le sourire. Ah ouais. Alors, ça donne quoi? Ça donne quoi? Alors là, c'est la courbe de la mienne, tu vois. Comme je te disais, on est un peu plus de 182 chevaux. Voilà, avec 203 Nm. Pourquoi? Parce que ma ligne est quasiment full tube. Et clairement, bah, tu perds de la compression et ça joue sur le couple. Donc, je vais remettre un Catasport très prochainement. Voilà, donc pour te donner une idée, tu vois que c'est une courbe assez pleine quand même. Voilà, qui va jusqu'à 7002, 7003 de mémoire. Voilà, avec une plage de couple qui est intéressante à partir de 3000 tours, 3005, mais qui redescend un peu sur la fin. Voilà, donc ça, c'est ma Fiesta blanche. Et du coup, là, tu as une comparaison avec la Fiesta de Cyril. Donc, bah, on voit très clairement que le gain est vraiment notable, que ce soit en couple ou en puissance, par rapport à la mienne, à savoir que là on a des hautes compressions qui font la différence, et la carto bien évidemment. Et ce qui est surprenant,
Enfin, ce qui est surprenant. Ce qui est vraiment kiffant, c'est que tu vois la mienne, elle s'essouffle un peu là, elle stagne et puis elle redescend. Là, celle de Cyril, là, elle monte, elle monte, elle monte, elle va jusqu'à 7005. Voilà, donc 7005 où tu as une puissance quasiment linéaire. Tu as un plateau, ça redescend un peu sur les 100 derniers tours, mais en ressenti, c'est assez impressionnant. La plage de couple aussi est beaucoup plus élevée. Donc, voilà le résultat. Donc, on est sur 202 chevaux et 220 Nm, ce qui reste vraiment sympa et intéressant. J'aime bien comment elle ronronne. Ah ouais, elle a un beau petit bruit. Ouais, ouais, franchement, on sent la différence. Ouais. C'est ce que Lucas il m'a dit. Non. J'ai démarré, il était comme ça sur le siège. Il me dit, ah ça, c'est une voiture de course. J'adore. Ah, c'est vrai. Elle fait un beau bruit, hein, putain. Ouais. J'aime bien. Elle a pas le même son. Tu sens un peu que ça. C'est pas mal. Oh putain, ah ouais. Oh ouais, ça envoie quand même. Ouais, non putain, et puis le régime à 7005. Ah, tu sens le... Ah ouais, putain. T'as l'impression que passer 6000, elle en va encore plus. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts. Regarde, il fait la course avec l'Audi TT, il est en train de la faire. Il est en train de la rattraper.